Avec moi, Monsieur venez avec Emmanuel, moi. venez. Venez, venez, on va vous amener. Mais Emmanuel, vous êtes mort? Monsieur. Il est métisse. Il est métisse, exactement. Sa mère est française et son papa il est d'Izzy. Il est combien avec toi? Bonjour, chef. Bonjour. Voilà, vous prenez un rendez-vous et vous attendez. Putain, oh, j'ai la flemme. Alors, vous avez pris rendez-vous ou pas? Oui, oui! Vas-y, tu veux pas me faire une petite démo? Vas-y, fais un petit freestyle là. Monsieur Manuel Ploquin, vous pouvez leur faire un petit. Ils veulent avoir une petite démonstration de vos talents. D'accord. Vas-y, vas-y. Je reprends mon concert, autant cette fois, on vous enlève 8 fois. Moi, quand on m'a dit ça, je savais pas ce que ça voulait dire. Ouais, j'ai clair. Trouvé ça tellement beau, j'en ai fait une chanson, et c'est un proverbe japonais. Vous allez tout comprendre. J'en ai fait une très belle chanson, et évidemment, en slam, ça va peut-être aider beaucoup de personnes. Moi, j'ai un côté poète, et j'en ai fait une chanson. En tout cas, je sais pas si vous connaissez, je sais qu'il y a Philippe Labro qui a dirigé une très grande radio, qui a même écrit pour des chansons, qui a été parlé. C'est quoi, c'est ça le slam? Et qui a même écrit un livre. Attends, dis-toi, comment fois, on se relève 8 fois, ben moi j'en ai fait. Attends, j'ai pas encore fini! J'ai pas fini de chanter! Je reprends mon concert, autant 7 fois, on se relève 8 fois. Donc 7 fois, on se relève 8 fois. Bi, tournez ça, se relever 8 fois. Bonjour! Obligé de vous retrouver. Sur, bien. On vient compte, c'est. Dans, bi, bien, c'est. Chose, oh, une bonne chose. Hey. Une bonne chose. Yo. Une chose, on vient me dire. Mais pourquoi t'as donné un titre comme ça? Pourquoi? Imagination, un peu d'imagination. Science. Si la famille. Je peux faire un truc seul. Mais je vais vous dire ce que ça veut dire. Les bonnes explications. En partie, vos sensations, venez au vrai d'un monde. Mais en sensation, une certaine hasard. Ok, par contre, ouais, c'est nickel. C'était bavard. Yeah. Wow. Je peux faire un freestyle, moi? Vas-y, fais un freestyle. Attends. Ok. Je ne veux pas, et c'est vraiment pas le moment. Voilà. D'accord, mais là je suis en plein concert musical, faut écouter, moi je chante en slam, je peux pas trop parler, d'accord, mais très content de te parler. Ok, vas-y à moi. Grigny la grande borne, une bite sur l'épaule, 3 cadavres au sol, quartier Mehabol, face à l'horreur, nous sommes des tueurs, général de guerre, casquette à l'envers, et les pecs en l'air, et les bras choisir des guerres, pour rien te monte en l'air. Putain, c'est fils de pute, c'est pas, il n'y a pas d'inspiration, il copie sur les autres. Vous copiez, monsieur. C'est ce qu'il est en train de vous dire. C'est un fiasco. Un fiasco. Comment ça, moi? C'est un fiasco, mec. Moi, c'est un fiasco? Ok. Là, t'as pas ton style en plus. Très bien, ok, je vais voir tout le monde les bras en l'air, tout le monde. Push hands up. C'est push quoi, hands up. C'est tu quoi, copies tout sur moi? Tu déteins? Vous avez entendu? Vous avez tout copié sur lui, monsieur. Ouais, c'est lui. Attends, mais c'est lui qui a écrit Grigny la grande borne en plus. Mais je suis plus grand fan. Quoi? Non, mais. Attends, je prends un selfie. Est-ce que le problème, c'est. Mais tu plais là, tu fais tout comme moi! Maintenant, tu copies sur moi! On prend la selfie avec le plus béger en fait. Cache-la un peu avant la douane, en fumette. Monsieur. Eh ben oui! Vous avez copié, monsieur, s'il vous plaît. Oui, respectez les paroles de mon artiste. Vous nous avez tout repris. Mais c'est pas toi, Jules. Même la donne, c'est lui qui a chanté. Putain, je suis trop fan. En fait. C'est toi, Jules. Vous avez repris des éléments de sa chanson, okay. S'il vous plaît, okay. Monsieur. Okay. Maintenant, rire. Quand je vois tes yeux, mais là, je suis c'est pas amoureux. Le moment pour parler. Faudra revenir à un autre moment. Je suis en plein concert musical. Oh, ah oui, c'est non, je suis en plein concert. J'ai pas le temps d'attendre. Alors, les amis, on va reprendre. Alors, c'est peut-être un peu triste, mais comme on vit une époque, c'est pas tout rouge, c'est pas facile. Au moins, faut garder les pieds sur terre. On peut juste sortir d'ici, parce que là, tu résonnes. Une chanson, il y a peut-être une musique triste, mais dans ce que je veux en parler, je pense que ça correspond bien. Donc, faut pas trop parler, parce que je chante. Si je pouvais, ils sont là, j'espère que vous m'entendez, et ça vous aide, et vous aimez mes chansons. Et je remercie beaucoup Minibac de son aide, son amitié. Si je pouvais, pourquoi pas. Vous êtes un
d'un coup, on attend vraiment, pensant, tout temps, hein, c'est une nouvelle chanson. L'entrée où j'habite, pense, ils arrivent à tanker, hein. Ah non. Capable de faire des belles chansons. Oh, c'est lourd, hein. Pas, si je pouvais. Pourquoi pas, si je pouvais. voilà. On dit, si je pouvais, on aurait un grand nombre, moi entier, différent, sur le monde, dans la France. D'être, ouais, allô, maman. On arrive. Puis, concert musical, si c'est pour parler, c'est un autre moment. Ah, on va les rejoindre. Ah, ils s'en vont. Mais revenez, respectez l'artiste. Écoute-moi, la Côte Taras. La Côte Taras, respecte l'artiste. Bon, ils ont abandonné. Je suis désolé, c'était votre premier public ici, dans cette ville. J'espère que vous ne prenez pas trop mal. C'est rien, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Vous en faites pas, monsieur Manu Ploquin. Non, t'inquiète pas. J'arriverai à vous dégoûter une petite salle. Oh, je t'arrête tout de suite. Il n'y a pas plus naturel que moi. Mais je comprends bien, oui. Complètement. À Carparquet. Oui, oui. Allez, on va aller chercher un véhicule. D'accord. Il faut nous faire un véhicule, les mecs. Ah, peut-être un... Reviens. Ah, c'est beau. Je pensais que vous nous aviez abandonnés, messieurs. C'est gentil, bien aimable. C'est bon, on peut rentrer dans le véhicule. Venez, monsieur Manu. Ah, bon, on part pas, là. Ah, c'est... Ah, bah, il se retrouve comme un con. C'est bon sa week-end. Voiture, en plus. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Il m'appelle... On voit des bails. Ouais, excusez-moi, monsieur, je suis en course Uber, là, désolé. Encore. Bye. Putain. Bye. Bye, bye. Bah, allez, on va le voir quand même. Bye. 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 Oui, bonjour, monsieur, vous avez commandé un Uber. Vous voulez voir un tour de magie? Bonjour, les beaux gosses. Yalla. Yalla. Non, toujours. Bonjour. Vous allez? Monsieur, oui, il nous importune. Il nous demande de l'argent depuis tout à l'heure, il nous dérange. En plus de ça, ils sont mauvais. Avance. On peut partir plate, Anthony. On peut. Anthony avec monsieur. Oh, tu fais quoi là? Monsieur Ploquin, venez. Circule maintenant. Fais ton boulot là, je le sais cul là. Ouais, ben bouge. Qu'est-ce qu'il fait là? Allez, bouge. Fais la circulation. Bon, je vais mettre ton véhicule en voyage. Ouais, je te parle à l'agent de sécu là. Monsieur l'agent de sécu, alors je sais pas ce que vous exercez comme métier, mais je te vois que vous travaillez pour la police. Circulez, monsieur, s'il vous plaît, celui qui fait du ménage dans le commissariat, venez avec moi. Bon, allez. Circulez-vous. Vas-y, arrache-toi, le North Face, arrache-toi. Ouais, c'est bon, arrache-toi. Monsieur, bonjour. Je me présente, monsieur Dov Boudboul. J'ai des questions à vous poser concernant justement l'agression de mon véhicule. On m'a agressé littéralement et on m'a saccagé. Venez avec moi. On a... Oh là là, le bordel. Faites vite. Ouais, ils sont sympas, ça joue RP un minimum, non? Pour un free access, on est pas mal. Y'a un mec qui veut me parler de je sais pas quoi dans le Comico. Ça rafale. Ça tire. Monsieur, ça tire. Ça rafale. Mais il n'y va pas si ça tire. 10-4 avec 55, on y va. De quoi? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Oups. Pas voulu sauter. Monsieur, s'il vous plaît. Non. Monsieur, s'il vous plaît. Tiens, prends vite. Monsieur, s'il vous plaît, c'est urgent. On y va. Mettez-moi en sécurité. Monsieur, descendez. On va se rabattre, monsieur. Il y a un forcené dehors. Attendez, mon artiste, mon hypothèque. Est-ce que vous avez une arme derrière? Mais c'est où? Vous avez une arme derrière? Oui, j'ai une arme, c'est bon, merci de l'avoir mis à disposition. Ça a tiré, ça a rafale, on m'a dit. Allez, prends-le, je sais qui c'est, prends-le. Merde, j'étais oublié, attends. Oui, je sais qui c'est. Allez, bah, allez, je t'arrête. Tu descends du véhicule. Actuellement, je t'explique, ok? On sait qui tu es, et un de là-haut a dit si viens, tu pas. Viens là où je suis, c'est pas grave. C'est viré. C'est à côté du parking central. Ouais. Ah, c'est peut-être pas lui, en fait. Monsieur, c'est cette personne justement qui m'a agressé, qui a fait un accident, il n'a pas fait un constat. Attends, je fais.
Je vous ai montré ma carte d'identité. Ah, désolé, c'est que... exactement le même véhicule. Mais vu qu'il est parti. On le fouille parce que c'est pas lui. Hé, Eddie Murphy, je suis en train de te parler, la grande tarasse. Vous voulez les voitures, vous? Pourquoi vous voulez les voitures? Pas celui qui a le costard, mais l'autre, là. Je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure, monsieur. Écoutez un peu ce que je suis en train de vous dire. Je me fais agresser, vous y réagissez même pas. La conserve. Arrêtez de casser notre véhicule, ou exactement, monsieur. Sortez alors de ce véhicule, sortez. Putain, c'est lui. Comment il s'appelle? C'est pas bien de casser les véhicules. Comment tu t'appelles? Attends, parle. Dis pas que je suis dédoubisté, on m'a reconnu à la voix. Oh, tu casses les véhicules. Monsieur, je me suis fait agresser. Ah, ben oui, je comprends. Alors, je vous présente, je suis manager de cet artiste. Bon, ouais. Bonsoir, monsieur Ploquin. Je vous présente un jeune ami avec qui j'ai sympathisé. Bonsoir. Ah, aimez-vous il a une démonstration, il veut travailler dans la musique. Est-ce que vous travaillez dans la musique, vous connaissez un agent? Enfin, Moi, je suis un petit comédien animateur. Moi, je chante en stable. Alhamdoulilah, moi, je chante dans rien. Moi, je travaille dans rien. Je veux te dire, moi je suis un peu un artiste atypique, j'ai jamais dit. Moi j'ai la chance d'avoir travaillé avec certains. J'ai la chance d'avoir, on m'a fait découvert, on m'a découvert que j'ai eu ma première expérience. Et déjà à l'époque, je venais dans le public, je faisais derrière tout le monde parce qu'on m'interviewait, j'avais un signe avec tout dans le public. Mais déjà, en allant, tout le monde venait vers moi, je faisais derrière. Et après, j'étais formé en tant que chauffeur de salle. Et j'ai travaillé en tant que journaliste devant comme derrière. Donc je connais parfaitement tous les animateurs. Moi, je vais même te dire une chose, je l'ai encore jamais dit. Moi, quand j'étais plus jeune, je passais par la crise d'adolescence et c'est tous les gens de ce métier qui m'ont aidé. D'accord. Alors, je ne sais pas ce que tu fais. Est-ce que tu peux te présenter une... Comment? Présentez-vous, oui. Moi? Oui, monsieur, s'il vous plaît. Moi, je m'appelle Maxime. Mais encore, qu'est-ce que vous faites de la vie? Vous êtes pas sûr? Moi, je suis chômeur RSA pour le moment. Je recherche du travail actuellement, quand même. Parce que j'aimerais bien faire quelque chose de ma vie. Bah Pierre, ça me soulage au moins maintenant. Après, tranquille, là. Il est en train de le comme il après, faut. Très content de te connaître. Oh, oui, enchanté, monsieur. Aussi. Enchanté, mais la police, c'est pas son travail. On tombe sur des ramassis de connards dans la police. Ah, vous êtes là, monsieur. Excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez là, monsieur. Il se trouve que notre plainte a été mal gérée. Je sais qu'un artiste, voilà, que je prends en charge, justement, monsieur Ploquin, je vous présente. Comment? Monsieur Ploquin, celui qui a la chemise, juste à ma gauche. Je me présente Emmanuel, un artiste sur beaucoup de talent, beaucoup de capacités artistiques. La semaine dernière, je me suis fait bannir quelques instants parce que j'ai fait monter un jeune. Il fallait pas, je me suis même pas rendu compte. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a expliqué. Je suis désolé, moi, je comprends un artiste, rien. Donc, un de mes métiers, c'est de donner la parole aux gens parce que c'est vrai que le monde va mal. Moi, j'essaie de... Est-ce que vous parlez le patois? Parce que là, je comprends rien. Non, il parle français, monsieur. Vous en faites pas, c'est un artiste. Ok. Ah non, pas du tout. Mais je comprends pas en fait ce que vous dites. C'est vraiment désolé, mais c'est pas pour vous offenser, mais vraiment je comprends rien. Eh ben oui. Quoi? Bon. Collègue, on va se rendre sur le code 3. Oui, on a rien à foutre ton code 3, ton code B. Écoute-moi, espèce, je connais. Moi, j'ai le bras long ici dans cette ville. Je travaille avec le gouvernement. Monsieur le PP, vous parlez un peu beaucoup trop mal. Oui, mais c'est normal parce qu'on n'a pas répondu à ma plainte. Vous avez la voix de Sarkozy? Non, j'ai pas la voix de Sarkozy. Il est juif? Si, si. Bah, quand même. Par contre, en tout cas, vous avez des cheveux très, très bien entretenus pour votre âge. Je reviens, je vais se faire. Eh bien, c'est sûr, je vous en remercie. On peut pas en dire de même pour vous. On peut pas en dire autant pour nous, pour moi. Exactement, monsieur. Allez, vous venez, monsieur Ploquin, on va prendre ce véhicule. Mon vieux. Il a volé. Monsieur Ploquin, monsieur, montez dans mon véhicule, s'il vous plaît. Oh, ça roule, c'était pas là. Ah, il a un bolide le papier. Dur, c'est pas trop, merci, trop bon, merci, hein. C'est bien gentil, c'est bien aimable. Monsieur Ploquin, montez dans le véhicule, s'il vous plaît. Monsieur comment? Monsieur Emmanuel Ploquin. Ploquin, et vous? Pourquoi Magnifique, vous voulez avoir... Bonjour, bonjour à tout le monde dans le général. Le grand plaisir partagé de... Non, voilà, on et moi, c'est Dour Boudboul. Ok. Voilà, bon. Donc là, vous avez un artiste, c'est Emma Cosmos. Plus connu sous le nom d'Emma Cosmos. Au revoir. Bon week-end. Bon week-end. Salam alaikum. Emmanuel Ploquin, le petit Manu, Emma Cosmos. C'est parti. Anna, collègue de théâtre. Ah, vous allez sortir dans la voiture aussi. D'accord, très bien, allez-y. Sur YouTube. Ah oui, on est sur YouTube, oui. Parce que après, on a tous une vie.
très bien. Quel artiste. Bon, je vais changer. Voilà. Je suis face à vous. Il y a beaucoup de psychologie où je défends, même si je parle de théâtre, écoutez-moi bien, je défends tous les arts imaginatifs, où il y a une psychologie. Il est fort, c'est quoi, non, non même beauté. Avec Manu. Hein. On va réparer la voiture, les gars, c'est où? Attends. Nous allons réparer le véhicule. D'accord. Regardez, monsieur Manu, ici, il y a une descente de police. Je vais circuler. Vous roulez sur la jante, là, monsieur? Merci. Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi, mais qu'est-ce qu'il est con. C'est incroyable, c'est la police, hein. Ils ont pas fait d'études ou quoi? Attends, je vais devoir m'expliquer. Monsieur Emmanuel Ploquin, sortez, on va devoir s'expliquer avec la police. Comme vous le voyez, monsieur, on m'a crevé les pneus juste devant vous. En plus, je vous l'ai dit. Donc, je viens ici dans un prochain garagiste pour me les faire réparer, idiot. Espèce de jbib. C'est compris? Pardon, outrage à l'agent. Non, il n'y a pas d'outrage à l'agent. Il y a simplement, c'est factuel, monsieur. Alors, déjà, monsieur en bleu, donnez-moi votre carte. Monsieur en bleu, enfin, le rouge. Qu'est-ce qu'il me veut, le noir, là, putain? Monsieur. Ça, c'est raciste, monsieur. Arrêtez, c'est pas raciste. Merci. Ma mère est. Une carte d'identité, monsieur. La carte d'identité, monsieur. Oh, putain, ils vont dans la merde. Laissez-moi avec mon artiste, monsieur. Je suis avec monsieur Ploquin. C'est qui là? C'est à moi. Monsieur Floquet, venez ici, monsieur. Oui, je vais vous donner ma carte d'identité, mais vous avez été chez les... Pas vous, je vais demander au monsieur en... C'est énorme la voix de robot que vous avez, monsieur. Identité, monsieur. C'est à qui la espèce de BM, là? Ok, on peut y aller. C'est ma voiture, monsieur, c'est ma voiture, s'il vous plaît. Elle doit être révisée et réparée. Monsieur, écoutez-moi. Oui, je vous écoute, monsieur. Dans la ville. Au bout de deux pneus HS, le véhicule est immobilisé sur place. Mais monsieur, j'ai vu que le garagiste est juste à côté pour m'aider. J'ai roulé, je suis désolé, monsieur. S'il vous plaît, réparez-le. Vous êtes désolé aussi, je suppose. Erreur. C'est dans l'erreur, tu vois. T'es dans l'air. Monsieur Ploquin, montez dans le véhicule, s'il vous plaît. Veuillez. Faut que tu montes Alors lui, s'il me bloque, Voilà, donc je vous présente cet artiste, il est arrivé dans... Non, alors si lui ne descend pas tout de suite, je le tasse. Monsieur, s'il vous plaît, il est avec moi. Deux. Donc monsieur, s'il vous plaît, il n'a très pas bien. Tout... Vous allez lancer lui aussi. Mais monsieur... D'accord. Bon, vas-y, rendez-vous. Bah c'est ridicule. Non, c'est ridicule. Monsieur, c'est ridicule comme vous attendez. Monsieur, s'il vous plaît, c'est ridicule. Taisez-vous, monsieur. Merci. Tu copies tout sur moi. Tu déteins. Mais j'ai jamais copié. J'ai dit que j'allais... Parce que le problème, c'est... Mais tu plais là, tu fais tout comme moi. Mais j'ai rien fait. Bah non, tu copies sur moi. Mais j'ai rien fait. J'ai repris juste quelques paroles. Eh ben oui. Oui. Et eh bien alors. En aucun cas, j'ai voulu copier sur toi. C'était un autre artiste qui cherchait à monter dans le business. J'ai juste repris deux, trois paroles. Merci de m'avoir donné une explication, mais là, c'est pas le moment pour parler. Oui, bah, si, moment pour parler. Venez contre le mur, s'il vous plaît. Très bien, on vous écoute, monsieur l'agent. Ouais, pour quel motif nous sommes arrêtés, d'ailleurs? Outrage sur agent de police. Outrage? Oui. D'accord, bon. Levez les mains. Et si, quel muscle? Levez les mains, palpation de sécurité. Le muscle? Ok. Le muscle, pour lever les mains, s'il vous plaît. Le muscle. C'est bon, je vous ai fouillé. Ah, très bien, merci, bien aimable. Ok, donnez-moi votre carte d'identité, s'il vous plaît. Je ne l'aimais pas en cellule, si. Monsieur, on va devoir s'expliquer. Alors, vous parlez à un membre du gouvernement. Enfin, j'ai un ancien membre. J'ai juste été viré il y a quelque temps parce que je suis parti dans une autre ville. Maintenant, je vous explique ce qu'il en est. Voilà, donc là, je suis avec un artiste aux multiples talents. Je vous présente Monsieur Ploquin. Celui-là, c'est un lequel d'entre vous qui met des sons bizarres? Le petit Manu, Emma, Cosmos. C'est parti. Voilà, c'est mon ami. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est un artiste. Ok, donnez-moi votre carte d'identité, s'il vous plaît. Le muscle. C'est qui fait ça? Il y en a un qui met des sons bizarres, là. Je sais, il est au-dessus. Monsieur, mettez-vous contre le mur, s'il vous plaît. Ok, c'est Emmanuel, c'est lequel d'entre vous, vu que j'ai pas eu le temps de voir? C'est monsieur à la chemise bleue. Ok. C'est lui, c'est un artiste. Oui, oui. On les met pas en cellule, si? Monsieur, non. Si vous nous mettez en cellule, vous allez avoir de très gros problèmes, monsieur.
Je peux tenir à vous nous dire. Nous sommes sympas, nous allons vous lâcher. C'est ah, bien aimable, qui va avoir l'amende. Attends, c'est des menaces. Gentil. Bah merci. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Arrêtez les regards, hein. Moi, j'ai pas peur de vous. Je ne serai pas impressionné par un pauvre cadet qui va terminer la circulation en fin de semaine. Ce n'est pas un cadet, déjà. C'est un lieutenant. Collez-vous contre le mur, monsieur, sans vous mettre en cellule. Vu que... Oh, vous haussez le ton, monsieur. Vous allez avoir des soucis, oui, monsieur. Oui, on hausse le ton. Vous savez, j'ai travaillé avant ici dans cette ville en tant que membre du gouvernement. Tenez, je vous mets l'amende. Ah, c'est ridicule! Non, c'est ridicule! Vous êtes bien d'accord, monsieur Ploquin, c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Non, ce n'est pas n'importe quoi. Non, mais c'est bête, c'est stupide. Venez là-bas. Oui, je sais, okay. Ploquin, c'est stupide, mais vous savez, il lui voilà, représente, je mets la main, il représente de la stupidité, payez, pas que de la loi. Attends, bon, s'il vous plaît, monsieur, sans vous avoir deux fois la main. Monsieur, s'il vous plaît. Ouais. Monsieur, circulez. Enfin, mettez-vous sur le côté. D'accord, très bien. J'ai pas envie de me retrouver en prison. Oh putain, il a même des bines en plus. Ah, reste à côté de moi, s'il te plaît. Le monsieur en bleu, merci. Voilà, payez la facture merci, maintenant, s'il vous plaît. Ainsi, vous sortez. Non, ne la payez pas, monsieur Ploquin. Ça, c'est un aveu de faiblesse. Si, il faut la payer. C'est simple, dans deux jours, si elle n'est pas payée, elle sera doublée. D'accord. Si que chaque jour après, triplé, et ainsi de suite. Quoi, ah bah vas-y, allez. Allez-y, triplez là pour voir, vous bah, avez pas les couilles. Je sais pas pourquoi je suis là en fait. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, casse-toi! Besoin d'un agent derrière le poste. Bah, t'es un agent, gros. Vous pouvez sortir, oh, monsieur. Ouais, libérez-moi. Écoutez-moi, espèce d'albinos, vous allez voir, ça va chercher très pardon loin. Pardon? Vous commencez pas à me regarder sur ce ton, s'il vous plaît. Arrêtez de me regarder sur ce ton. Arrêtez de me parler comme ça alors, monsieur. C'est normal, vous m'avez regardé. J'apprends à me retrouver en prison. Oh, vous sortez votre matraque, le prolonge de votre petite bibite, c'est ça? C'est le prolongement de votre petite quéquette. Pardon? Attendez, demandez restez au black, là, demandez au black parle. Alors, demandez au black. Il dit que j'ai une petite quéquette ainsi. Arrêtez de gueuler. Un par un. J'ai jamais dit ça, monsieur. Il parle mal. On sera avec une fois. Les officiers, il me semble avoir dit un par un. Écoutez-moi, ne vous énervez pas. Oui, mais je m'énerve, monsieur. J'ai travaillé pour le gouvernement, c'est comme ça qu'on traite. Regardez dans le registre, dans le football. Pas tout faux, mon vieux! Atterris! Comment ça, c'est tout faux? Non, j'ai travaillé pour le gouvernement. Ça va que c'est un vieux, parce que j'aurais été âgé depuis longtemps. Eh ben oui! Ah, que j'aurais pas dit jeune, hein, monsieur. Ne regardez pas sur ce ton, sinon ça va mal finir, monsieur. Vous travaillez pour le gouvernement, ça monsieur? Ça va finir comment, monsieur? Dites-moi. J'ai travaillé pour Jason Williams. Alors, dites-moi pourquoi vous êtes dans une voiture qui n'est pas vous et qui est recherchée. La voiture, c'est une location, parce monsieur. Que... Et comme vous voyez, non, j'ai des moyens. Donc, me jugez pas, s'il vous plaît. La voiture est recherchée par la police. La voiture pas. A trois pneus. Bon, attendez, je vais demander à monsieur, je suis avec cet artiste, je suis son impresario, s'il vous plaît. Son manager. Je suis là pour lui trouver un travail. Alors, fermez-la maintenant. Et laissez-le partir. Vous allez trouver la prison, surtout. Bon, allez. Bon, écoute-moi, ta gueule. Je reprends mon concert musical. Voilà, reprenez. Vous nous mettez 66, on les met en cellule ou... Écoute-moi, monsieur, quelle est ta gueule, tête sur la gueule, là. J'ai pas fini de chanter. Bon, chantez, monsieur Ploquin, ça va détendre l'atmosphère, hein. Écoute-moi, espèce de petit bonhomme à mouche. Avec des tags de tête sur tes jeux. Très belle chanson qui me tient à cœur. Là, j'en ai fait une chanson, je vous mène un collègue de théâtre, et dans cette chanson, il y a une psychologie, comment on considère les artistes. Parce que vous les voyez, mais comment on les considère, hein. Eh ben, ça, on n'en parle jamais. Eh ben, moi, Emmanuel Ploquin, le petit Manu et Marcos Pro, j'en ai parlé, et en même temps, je défends les... Le théâtre, et j'ai mis en valeur une petite oui, c'est bien, c'est ça. Qui a toujours voulu se lancer dans l'amitié de vie. C'est très bien dit, ça, monsieur Manu Ploquin. Vous voyez, il n'a rien à dire parce qu'il sait très bien que c'est un artiste. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de toucher sa voiture, qui est en train de. Aïe, monsieur Ploquin, dis-moi, s'il vous plaît. Allez, ah non, pas du tout. Restez là, monsieur. Genre, il est avec moi, s'il vous plaît. Il est avec moi, je suis son tuteur. Bon, ça va partir sur... j'ai pas le temps, hein, les gars. Mon esprit est ailleurs. Hein. Tu vas accompagner ton collègue en cellule. Laisse-moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Alors, c'est soit tu vas dans la cellule... Monsieur, restez là. Laisse-moi. Ça joue bien, pour un FA, non? Monsieur en bleu, restez là. Monsieur, s'il vous plaît, viens avec moi. Laissez-le rentrer avec moi dans la cellule, s'il vous plaît. Ok, je vais vous lire vos droits Miranda. Non, la boisson Miranda, c'est... Alors, je vous dirai un Miranda fraise, s'il vous plaît. Fermez-la. Monsieur, s'il vous plaît, nous avons pris un mauvais...
Vous fichez pas, vous et moi. Je me présente deux bouts de boule. Non, je m'en fous. Ok, monsieur Emmanuel Ploquin. En fait, du moment que vous vous saoulez, je saoule. Mais on vous a pas saoulé. Emmanuel Ploquin, du coup, il est actuellement... Attends, laissez-moi les... J'écoute Edouard Miranda, attendez, le... votre collègue. Mais je l'ai pour 29 vous, du 7, vous avez le droit de garder le silence. Oui, mais faites-le ça, après, parce que vous avez un micro de merde. Ah, pardon, attendez. Oups, ah merde. Ah bon 46, excusez, oui. Attends, parce que, en fait, 66, il m'a dit de s'occuper de lui, mais je sais pas si... Est-ce que vous avez lu les droits? Non, j'ai rien lu. Non, non, je peux être libéré, alors il m'a pas dit les droits. C'est bon, je peux être libéré. Merci. Monsieur, vous pouvez sortir. Monsieur, merci, je peux sortir. Il est actuellement... En fait, on sait même pas ce qu'il a fait. En fait, 20h40, nous sommes le 19. Je vais le mettre, mais bon, il est chiant. Le 29 du 7, vous avez le droit de garder le silence. Vous pouvez sortir. Mais attends, wesh. Viens, viens, viens. Ah oui, non, non, non. Mais c'est la police. Ah, merci, je suis son manager. Je vais faire la... Vous s'en faites pas, monsieur Emmanuel Ploquin, je vous ai dit pour faire la traduction. Oui, oui. Alors, pourquoi ils vous ont enfermé, alors dites-moi. Moi, c'est bon, j'étais libéré, j'étais gentil avec eux. Non, c'est juste un vice de procédure. Ah, ouais, d'accord. Ouais, il y a une jeune fille qui m'a un peu tapé dans l'œil. Prends du parsemage, j'étais avec elle. Attendez, laissez-le moi. Circule, monsieur. Ah non, mais qu'est-ce que j'ai fait à cette fille? Elle était mineure? Oh non, mais circuler. Pourquoi vous avouez ça? Mais je vous ai dit de pas avouer ça à la police. Monsieur, rentrez pas. Je vous tiens le bras. Oui, je suis son avocat, s'il vous plaît. Je vais le défendre. Sortez. Monsieur, s'il vous plaît. Il vient d'avouer un vieux. Sortez. Un vieux le survie. Non. Ne le faites pas. Pourquoi vous avez dit ça à la police? Ok, monsieur Emmanuel Ploquin, il est actuellement 22h41. Nous sommes le 29 du 7. Vous êtes en garde à vue pour les faits suivants. Outrage sur agent de police, vous avez le droit de garder le silence, vous renoncez à ce que... Laissez-le moi avec moi. Je suis son manager, s'il vous plaît, laissez-le. Laissez-moi avec lui. Quelqu'un peut pas mettre ça. Salut, c'est un PX3. Miralex, ça ouais. Rien que entendre Emmanuel Ploquin, ça vous fait kiffer, ça vous fait bordax en RP. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi aller le défendre. Bon, attendez, je reviens. Comment on fait pour y aller là? Casse les couilles, sérieux. On peut y aller, les gars? Faut pas qu'il fasse un test F6 sur Emmanuel, sinon il va aller en HP. Ah ouais? Saute du pont. Et après, je fais la technique. Ok, d'accord. Ok. Là? Nice, bien joué les gars. Tu es Ellie. Enfin lui. Oui. Pardon. Vas-y parle, je vois si je peux t'entendre. Bah. Non mais... Ah, bonjour monsieur, j'ai rendez-vous avec un de vos officiers pour défendre, je suis maître Boudboud, l'avocat. Le monsieur qui vous est pour la cellule. Maître Boudboud ? Oui, oui, maître Boudboud, monsieur. Je suis avocat au barreau de Sacramento, m'a appelé pour une affaire urgente. Monsieur Ploquin, juste en face. Voilà, la chemise bleue. Mais comment vous êtes rentré ? Ah, si, on m'a ouvert, justement. On m'a ouvert à l'entrée. Ah, je vous ai vu sauter. Ah, j'ai pas le souvenir. Bon, allez. On m'a demandé de venir ici et on m'a demandé d'accourir. Désolé. Vous pensez que vous allez sortir ? Bon, vous avez votre carte ou quoi ? Alors, ma carte d'avocat, oui, attendez. Allez, montrez la main. Ok. Voilà, très bien, merci. Donc je dois établir un... Non, mais non, mais ils sont trop forts sur le serveur. Alors, monsieur, allez. Oui, bonsoir, monsieur Ploquin. C'est bon, je me suis arrangé avec votre collègue, c'est bon. Alors, ma mère qui m'appelle. Oui, alors pour la défense lors du procès... Qu'est-ce que tu fais? Bonjour, les beaux gosses. Oui, alors pour la défense, j'espère que vous n'avez rien avoué concernant la jeune fille, que je vous ai dit, Vous n'avez rien dit. Oh, pas du tout. D'accord, très bien. Là, quoi? Bon, je vous explique, vous avez l'air bien sympathique. Non, t'inquiète pas. Il y a eu des attouchements sur une jeune demoiselle, mais... Wow. Bah, c'est ridicule. Non, c'est ridicule. Non, mais oui, mais il faut avouer. Ça sera à moitié pardonné, ne vous en faites pas. Ah non, je suis pas comme ça, j'ai reçu une bonne éducation. Oui, je sais, mais on avoue tout ici, allez. Avouez, comme ça, vous allez voir, on va vous relâcher. Allez-y, dites tout. Ah non, pas du tout.
Si, dites tout, allez-y. Ah, c'est ridicule. Non, c'est ridicule. Non, c'est pas ridicule, je vous assure. Ah non, que... non. On surveille un. Mais là, ça part aux assises, là, pour ça. Monsieur Ploquin, s'il vous plaît, je vous promets de vous défendre. Comme il se doit, vous serez libéré, hein. Je paierai votre caution, s'il le faut. Mais passez aux aveux, je vous assure, passez aux aveux. Allez-y. D'accord. Très bien. Dites-le, monsieur, là. Mais une fois, il y a deux filles qui m'ont un peu tapé dans l'œil. Prends du parsemin, je suis avec elle. Voilà. Mais on vous a pas arrêté pour ça. Pourquoi, voilà, donc il avoue. Non, en fait, gros, c'est pas comme ça. Ah oui, bah il avoue, mais là, j'ai pas le libéré, il a avoué. Moi, je veux mon avocat. Oui, mais... c'est tous mes droits. Si, faut t'avouer, faut ta moitié... Bah, c'est mes droits, je veux un avocat. Bon, vous l'ouvrez la moitié de la porte, alors. Ça vous va? Non, t'es pas un avocat. Montre-moi ta carte d'avocat. Non. Bah là, non, pour le coup, non. Alors, une porte sur deux, on se débrouille. Ah oui, mon âge. Une porte sur deux. Non, t'es pas un avocat, gros, t'es... Mais c'est qui a fait ça? Non, t'es pas un avocat. Paf la rage. Mais non, mais... T'es une merde, t'es pas un avocat. Mais je vois plus rien. Allez, un jour sur un jour. Là, je suis un peu dépassé par les events. Mais non. À chaque fois, on parie contre le sort. Pas le choix, faut y aller. T'es un avocat? Monsieur, pas le choix, il faut y aller, hein. Bon, un avocat, c'est mes droits. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur Ploquin, allez, dites-lui. Chantez-lui une chanson, je ne sais pas, ça va le détendre. On tombe 7 fois, on sera les 8 fois. Voilà. Ah, mais c'est l'artiste. Oui, c'est une artiste. Voilà, vous comprenez qui est ce monsieur. Voilà. Ah, mais c'était un sketch du coup depuis tout à l'heure. Mais c'est vrai, je me suis fait remarquer, c'était pas vrai le moment, mais j'étais pas méchant. Il est pas méchant. Ok, mais ouais, mais c'était pas vrai du coup, c'était. Non, c'est pas vrai. Voilà, il a. Ok, ouais, je comprends mieux. Eh bah oui. Ah ouais, vous m'avez fait peur là, putain. Ça partait loin là quand comment même. Ça, juste moi, c'est comme si je te demandais l'heure. Bon, ça fait combien de temps que vous êtes là? Tu vois? Ça fait combien de temps que vous êtes là? De pute de merde. Voilà, magnifique. Par contre, il y a un gars qui est insulté derrière. En même temps, je te dis un truc, tu comprends pas aussi, gros. Mais j'ai pas Goosebug, gros, t'es un ouf, toi. Non, et là, tu faisais quoi? Bah, j'ai rien fait du tout en fait. Et là-bas, t'as fait quoi? J'ai rien fait du tout, c'était ouvert, gros. Regarde les portes, c'était ouvert, frère. Non, j'ai écouté la personne, s'il avait un avocat aussi, mais vu qu'il a insulté de fils de pute à vos collègues, je crois qu'il va le laisser, je vais le laisser pourrir ici. On va le laisser pourrir. Bon, ça fait combien de temps que t'es là, le main bleu, là? Ouais, fait une énorme... Monsieur Ploquin, allez-y. Attends! Attends. Le flic est à côté et tout, ça me tue. Ah, Ploquin! Sérieux? Ça fait combien de temps qu'il est là, lui? Oui, c'est à cause de monsieur, là, avec ses rastas, là, l'albinos, pardon. Là. Oui, c'est vous bon, qui l'avez mis en prison. Je suis agent de police. Hop. Oui, je vais me calmer. Je rappelle que je suis avocat, au barreau. Bon, on le laisse sortir, lui, c'est bon? Ouais, vas-y, je peux le laisser. Ils ont plus de RP que tous les flics que j'ai déjà croisé. Sors, attends, je te dis. Bah, merci. Attention, vas-y, c'est toi qui as les clés. Ah ouais, Bappé, c'est vrai, t'as raison, maintenant il regarde les lives, pour ceux qui ne le savent pas, il regarde les lives maintenant, Manu. Je sais même pas comment il va réagir, les gars, s'il tombe sur le live, les mecs. Vous avez la tête d'un président. Mais il va bien réagir ou pas? Mais vous trouvez pas qu'il a la voix de Sarkozy, surtout? Non, il n'est pas Sarkozy, il n'est pas juif, voyons. Mais il y a encore un pas du tout. La dinguerie qui va sortir. Allez, venez, monsieur Ploquin, vous n'êtes pas juif, vous aussi, hein? Vous avez l'habit de circoncis? Ah non, non. Non, putain, les dingueries sont sortis. D'accord, très bien, elle est sortie. Mais y a aucune dinguerie. Mais carré, il y a pas plus naturel que moi. Attends, ah bah vous y vivez, de quoi qu'est sorti, monsieur, vous avez dit? Faites juste attention au propos, s'il vous plaît. Oui, je ferai attention. Monsieur Ploquin, c'est bon, vous avez vu, la police a l'air de bien sympathiser avec nous. Je pense qu'il est temps de sortir. Ça vous va? Pas du tout, c'est une erreur fondamentale. Mais je pense que vous deux, vous serez des masterclass, mais... Mais comment ça, c'est une erreur? Mais c'est pas une erreur, je vous assure, vous êtes libérable. C'est dans l'erreur, tu vois. Mais non, vous n'êtes pas dans l'erreur. Allez, monsieur, sortez, s'il vous plaît. Monsieur Ploquin, si vous pourrez mourir du ciel, pourquoi vous voulez rester dans cette prison? Tu t'appelles comment? Lieutenant. Je m'appelle, je suis Dorf, je vous ai vu tout à l'heure, Dorf Boudboul, je dois m'occuper de votre cas. De quoi? T'as quel âge? J'ai 52 ans. De quoi? Vous êtes sûr qu'il va bien, quoi? Oui, oui, très bien. J'ai 52 ans. Allez, on y va. Allez, arrêtez de faire de l'imbécile, s'il vous plaît. Allez, sortez, je suis pas monsieur. Sûr que ça soit un sketch, là, bizarrement. Je sais pas, il m'a l'air un peu... Cette jeune fille, vous avez pas... Dites-leur que vous avez abusé d'elle, s'il vous plaît. Mais vous sortez de là.
Bon, vas-y, on voit des roulis. Non, mais cherche pas midi à 14h. On n'a pas des. On voit des roulis. C'est comme si je te demandais l'heure et tu me réponds qu'il fait chaud. C'est anachronique, tu vois. Attends, j'ai appelé les EMS parce que je sais pas, il m'a pas l'air tout frais le. De ce que comédien. Le gobache qui pisse. Je parlerai à un autre moment parce que je peux pas parler en plein concert musical. Bon, allez, on va assister allô à son concert alors. Allez-y. Vous êtes allô, les EMS. D'un coup, mais attends vraiment. Là, ils répondent pas. Pensant. Tout temps. Hein, monsieur, en bleu, vous appelez comment chanson. Monsieur Emmanuel Ploquin, monsieur, voyons, vous l'avez connu. Pense. Et on est en quelle année? Vous êtes capable de faire des belles chansons. Monsieur, il est en train de jouer. Il est en artiste. Monsieur, nous sommes en quelle année? Pourquoi pas, si je pouvais? Laissez-le terminer. Attends, j'ai pas encore fini. J'ai pas fini de chanter. Il a trop bien placé. Une très belle chanson qui me tient à cœur, que vous fais partager à ce beau concert musical. Vous allez voir, pour tous ceux qui sont rapides, c'est le moment où jamais de bien se concentrer. Voici la chanson Jumana, collègue de théâtre. Let's go, c'est parti. Et je pense que j'ai dit des belles choses, vous allez beaucoup aimer, apprécier. Jumana, collègue de théâtre. Allez, faites-les sortir, les deux cœurs. Alors, c'est peut-être un peu triste, mais comme on vit une époque, c'est pas tout rouge, c'est pas facile. Au moins, faut garder les pieds sur terre. Bon, allez, faut si je pouvais, pourquoi pas, une chanson, il y a peut-être une musique triste, mais dans ce que je veux en parler, je pense que ça correspond bien. Donc, faut pas trop parler, parce que je chante. Si je pouvais, ils sont là, j'espère que vous m'entendez, et ça vous aide, et vous aimez mes chansons. Et je remercie beaucoup Minibac de son aide, son amitié. Si je pouvais, pourquoi pas? Vous êtes un coup, mais attends vraiment, constant, tout temps, hein, c'est une nouvelle chanson. Entrée où j'habite. C'était le plus absurde que j'ai jamais fait de ma vie. Vous êtes écrire, vous êtes capable de faire des belles chansons. Pourquoi pas si je pouvais? Pourquoi pas? Est-ce si que vous, je dans le chat, les gars, il t'en coupe, hein? Ou ça part, il nous expulse. Voilà. Il nous dégage du comico. Si je pouvais, on aurait un grand nombre, moi entier, différent, sur le monde, dans la France. Peut-être, il peut, on va attendre, hein. On va appeler les EMS. Si je pouvais, un grand nombre, et je suis concert musical, c'est pour pas le faire d'autres moments. On a compris, monsieur. Non, mais je suis en plein concert, j'ai pas le temps d'attendre. Alors, les amis, on va reprendre. Mais là, c'est pas le moment pour non, parler, mais on va revenir à un autre moment, je suis en plein concert musical. On va faire un concert dans les cellules du LSPD. On parlera à un autre moment, parce que je peux pas parler en plein concert musical. Après, à la limite, bon, si vous voulez, on vous emmène aux Bahamas, là-bas, vous faites un concert devant tout le monde, et voilà. Bah, en fait, bah, on cherche une salle. Vous cherchez une salle? Ah bah, non, non. Oui, pour qu'on puisse faire se produire en concert, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est un artiste. Le petit Emma Cosmos. Venez, monsieur Emma Cosmos, venez, venez. Apparemment, ils auraient peut-être une scène ouverte pour vous. Vous allez pouvoir chanter devant du public. Emma, il est excité, votre... Oui, bah oui, bah oui, oui. Des moments où il est tout calme, mais des fois, il a des pulsions. Il a des petites envolées lyriques. Et ça, c'est pour ça qu'on l'apprécie. Voilà, vous voyez, il peut se mettre là. Non, bah non, il lui faudrait des spectateurs, monsieur, du public. Ouais, composé de jeunes garçons, de demoiselles, des familles, c'est ça que vous voulez. Ah, c'est bon, ils vont nous emmener devant une scène. C'est très bien, avec du public. Ah bah ouais. Un bon et public, en plus. Où il y aura des familles, c'est ça? Il y aura des professionnels qui vont le regarder? Ouais, bah ouais, ouais, plein de professionnels. Vous entendez, monsieur Bloquet? Vous avez vu? Ça va, ah, oui, oui. Ça va être exceptionnel. J'ai compris aussi. Je pense que c'est le coup d'une vie. Alors c'est la chance d'une vie. Ah là, c'est une chance, là. Ne vous merdez pas, hein. Merdez pas, s'il vous plaît. Ouais, je vais même faire une annonce sur Twitter, attendez. Vous avez vu? Il va ramener du public. Non, t'inquiète pas. J'espère que vous n'allez pas prendre la pression. Ne prenez pas la pression. Oh non, vous... non, non. Ah, c'est fermé. Oh mon dieu, c'est fermé. Bon, il reste peut-être un endroit. Mais...